Cette campagne vise à amener les usagers non seulement à s'approprier le décret portant interdiction du téléphone au volant, mais également à se conformer au respect scrupuleux de la législation en vigueur. Les usagers interrogés au cours de cette campagne ont salué l'initiative de sensibilisation de la police nationale, puis ont condamné l'utilisation du téléphone portable au volant. L'utilisation du téléphone portable et tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile constitue une contravention et est punie d'une amende de 10 000 francs CFA. En cas de récidive, au cours d'une période de 3 mois suivant la première infraction, le contrevenant est passible d'une sanction allant de la suspension au retrait du permis de conduire conformément à la réglementation en vigueur. Le directeur général de la police nationale invite par conséquent les usagers à faire preuve de civisme en se conformant à cette réglementation. La campagne de sensibilisation sur l'usage du téléphone portable en situation de conduite automobile s'achève le 1er janvier 2014 à minuit. Dès le lendemain 2 janvier 2014, tout contrevenant au décret suscité s'expose à la rigueur de la réglementation en vigueur.